C'est un plaisir, toujours un bonheur de rencontrer de nouvelles personnes. Pour info, nous, on vient d'un pays lointain qui s'appelle Lyon. On vient de loin. Ouais, Lyon. Que vous dire, on a sorti 6 albums, dont le dernier en date est très 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 récent, il est sorti il y a quelques semaines. On vient de le recevoir en vinyle d'ailleurs, un super vinyle du dernier album, c'est autant, c'est là-bas au fond. Et voilà, le morceau qui vient de se passer, c'était le premier album, on a monté très très loin. Et maintenant, on va aller faire un tour dans le dernier album, ça vous dit, ouais? Avec Mademoiselle Anna McFly, mon violon, ouais? Thank you.
standard, on fait monter la pression pendant 10-15 secondes. Et quand on lâche tout ici, on veut vous voir tout lâcher en bas. Est-ce que vous êtes prêts en blanc? C'est pas très, très très bien entendu. En fait, est-ce que vous êtes prêts? You can have where you want, you can touch me apart. You ain't going from me. Intéressant. Est-ce que le sol fait du bruit? Je sais pas. Ouais, si, vas-y, tous ensemble pour voir. 1, 2, 3. Ça peut le faire, ça peut le faire. On essaie comme ça? Oui, oui, ça arrive. Ça va, les copines? Jordan au micro, s'il vous plaît. Bonsoir. Alors, l'équipe 2, s'il vous plaît. L'équipe 2. Alors l'équipe 2, vous invite à
peut prendre des testostérone sur scène comme ça. On peut prendre tous les gens qui et des filles aussi. C'est pas con, s'il y a des filles, ça se passe aussi. Bien. Si j'avais su, j'aurais mangé moins de plats de cuchot à la cantine. Et il faut un peu de flip pour tempérer tout ça, ça sent trop la testostérone sur scène. Oh, il y a un mec qui a travaillé sa barbichette. Hein. Enfin, Lolo, vous laisse. Il y a toujours trop d'hommes sur scène. Ouais, mais les filles, elles galèrent à monter. Ils travaillent, c'est ça. C'est pas ce soir qu'on va se reproduire. Hein. Travaille le périnée. Ah, on a vu une culotte. Ah. Santé. Bon, bah voilà, on est un peu moins seul sur scène. Messieurs, dames, le prochain morceau s'appelle Kilt Up. Il est extrait du prochain album. C'est une ode à ce merveilleux vêtement qui est le kilt. Si vous en avez jamais porté, je vous jure, essayez. C'est libérateur, ça fait du bien. Est-ce que vous êtes prêts à foutre le bordel avec nous ou bien? We'll be right back.
Messieurs, dames, j'ai un petit quiz pour vous. Vous êtes peut-être... n'a jamais joué au Hellfest. Midnight Oil. Ouais, Midnight Oil, Eurythmics, ça marche tant. Metallica. Un groupe massif qui n'a jamais joué au Hellfest. Metallica, ça marche, hein. Ouais, c'était du problème. Metallica. Non mais attends, peut-être qu'ils connaissent pas. Non, non, je veux pas la commence par... ACDC! Vous connaissez pas ici en fait ACDC, c'est. Non? ACDC! Ah non, ils connaissent pas. Vous connaissez pas ACDC? Hey! On va vous faire découvrir, messieurs dames. Vous êtes prêts? On va s'accorder d'abord, tiens, pour que ce soit joli. Bravo! Merci, hey! On peut pas, ils s'accordent pas. ACDC, ils s'accordent pas, tu penses? Ils ont un mec qui les accorde. C'est vrai? C'est ça, ils ont un mec pour les accorder. Quand est-ce que j'ai un mec pour accorder ma guitare, moi? ACDC, c'est en playback dans le groupe. ACDC, c'est en playback, c'est ça? Et là, je pense que ça va marcher. On a tué notre effet, mais c'est pas grave. Quel effet? Non, mais t'inquiète pas. Ça leur a permis de se reposer un peu, c'est pas mal. We'll be right back.
De relever un défi ce soir. Je pense qu'en l'eau, vous êtes capable d'essayer de chanter plus fort qu'une cornemuse.
va chauffer bien comme il faut, c'est bon ça. On va séparer la foule en deux, s'il vous plaît. On va faire un espèce de micro fossé au milieu là. De ce côté. Vous sentez les choristes là? La voix est chaude. On va faire un truc très très simple. Genre Est-ce que les Breadlords vous ont montré ce qui se passait sur Arcade déjà? Vous êtes content de voir les Bjork, ça va aller? Vous voulez savoir quand même? Allez, faites du bruit! Et c'est que du bonheur, on se retrouvera au Hellfest un jour. C'est le Hellfest de l'Est, c'est bon ça. Ouais, c'est un plaisir de venir jouer à l'étranger. Vous pouvez prendre des tickets pour lui mettre un pain à la fin du concert. Ça. Je pense qu'on va les faire tanguer un petit peu. Ça vous dit de tanguer? Ouais. Ça vous dit de vous accrocher un peu à vos voisins, de vous prendre par les épaules? Je sais, ça commence à sentir pas très très bon, mais un peu de fraternité, ça sera pas mal. Thank you.
Merci beaucoup. Il y en a. Et c'est un camion de gendarmerie qui est garé sur le bas-côté qui vient d'arrêter une bagnole. Le gendarme s'approche, il fait baisser la vitre au gars. Le type, il est rouge, quoi. Il est écarlate. Il est transpirant de chaud. Le gars, il fait bonjour monsieur, gendarmerie nationale. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool? Ouais, le mec, il regarde. Eh ouais, toi tu dis oui, bah lui aussi, je dis toi, il fait oh oui monsieur l'agent, j'ai consommé beaucoup d'alcool parce qu'aujourd'hui j'ai marié mon fille avec un Français. Alors j'en ai profité pour goûter du vin rouge, du vin blanc, du Grégavout, Straminer, je crois on dit, et puis du rosé, et puis après je me suis pinté la gueule avec mes vieux potes écossais, on a bu du whisky de tous les pays, c'était trop trop bien, et là maintenant je rentre à ma maison, voilà quoi. Et là le gendarme il regarde, fait non mais là monsieur, vous vous rendez bien compte que c'est un contrôle de gendarmerie et que je vous demande si vous avez bu de l'alcool. Et là l'écossais il regarde le mec droit dans les yeux, il fait et alors, et toi tu as remarqué, ça c'est la voiture anglaise, c'est mon femme qui conduit. Du coup. Ah. Peut-être. Oh. On va pas faire celui-là en fait. Bon, du coup, on part plus tôt. Je plaisante. Du coup, on a senti que tu t'ennuyais un petit peu, donc on a décidé de te refaire faire une chorégraphie. Oh, oui. Est-ce que ça te va? Pour le plaisir. Attention, public dans le monde, je vois toutes les mains en l'air. Oh là là, attention, on ferme les poings. On prend rien pour l'instant. On lève le petit doigt à gauche, le petit doigt à droite. Attention, ça se complique, messieurs dames. On prend son partenaire de gauche, son partenaire de droite. Et on va me faire la plus belle danse bretonne d'Alsace. C'est Gigi Mac, c'est ça. Thank you.
jambe et un bras. Sautille un peu comme ça. Passez avec succès le test d'aptitude à la première chorégraphie de la soirée. Félicitations, Lou. Attention, première chose très importante pour une bonne chorégraphie, tout le monde fait trois pas en avant. Un, deux, trois. T'as triché là-bas. Toi, madame, tu peux te rapprocher. Hein. Toi aussi, avec le haut bleu, tu peux te rapprocher. Voilà. Rapprochez-vous, mademoiselle. Vous avez vu, vous trichez. Ah ben voilà. Là, j'avais un trou, c'était pas possible de faire une bonne chorégraphie. Alors, où j'en étais? Premier mouvement de la chorégraphie, très simple. Main à gauche, devant. Main droite, toujours devant. Attention, ça se complique. En l'air. Frappe. Ok, on fait la même chose en tapant très fort. Gauche, droite, en l'air. Frappe. Gauche, droite, en l'air. Frappe. Bravo, Anglo. Attention, attends, ça se complique. On va essayer de le faire en musique sur le son de Club Fire. Thank you.
pas. Bon, ne laissez pas faire les mecs. Est-ce que c'est pas le moment de leur montrer qu'ici on fout plus le bordel que dans le roi? Ok, alors pour le prochain morceau, on va avoir super besoin de toi. Tu vas faire 8 jumps sur ta droite, 8 jumps sur ta gauche. Après, tu vas refaire 8 jumps à droite, il faut quand même revenir. 8 à gauche, 8 à droite, 8 à gauche, 8 à droite, 8 à gauche, 8 à droite, 8 à gauche. C'est vrai comme la vie. Ouais. Je pense qu'ils ont compris. C'est quand même Hollande qui a tout inventé. Tu fais Fillon et Hollande. Vous êtes chaud, on commence par là. Tu comptes du jeu, hein. On est là pour faire des cons un peu, non. Prochain morceau, ça s'appelle